Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, est venu accompagner aux obsèques de Jacques Chirac, mais pas par n'importe qui. Ce lundi 30 septembre avaient lieu les obsèques de Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice de Paris, en présence de 1900 invités, dont 80 dirigeants étrangers. Parmi eux, le président russe Vladimir Poutine avait fait l'aller-et-retour depuis Moscou. Il était accompagné par une femme brune, qui est restée à côté de lui pendant toute la durée de la messe, qui suivait la cérémonie familiale privée et la cérémonie d'honneur militaire aux Invalides, en présence d'Emmanuel Macron. Vladimir Poutine a-t-il profité de cette cérémonie officielle pour enfin présenter une compagne officielle? Les curieux vont être déçus car son accompagnatrice n'était pas une proche, mais une interprète qui a permis au président russe de comprendre le déroulement de la cérémonie. Ce dernier reste très discret sur sa vie privée, et il était très peu probable qu'il choisisse les funérailles d'un ancien chef de l'État pour faire une entorse à ce principe. Jacques Chirac a été inhumé en début d'après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette Chirac, il repose dans le caveau familial auprès de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016. L'ancien président de la République avait été très affecté par sa disparition.